Je vais te montrer dans cette vidéo comment télécharger une vidéo sur YouTube sans aucun logiciel. Tu ne vas installer aucune application supplémentaire, tu vas uniquement rester sur l'application YouTube, tu pourras télécharger n'importe quelle vidéo que tu veux et tu pourras regarder ces vidéos que tu as téléchargées même si tu n'es pas connecté à Internet. Donc si tu aimerais savoir comment télécharger une vidéo YouTube dans sa galerie sans aucun logiciel, c'est une vidéo à ne pas manquer, allez c'est parti. Ok, pour faire ça, ce que tu dois faire, c'est uniquement aller sur l'application YouTube. Ce que tu dois faire, c'est cliquer en haut à droite dans ton petit icône. Tu vas cliquer ici sur s'abonner à YouTube Premium. Alors, normalement, YouTube Premium est payant, mais il y a une option gratuite et je vais te montrer dans la fin de cette vidéo comment l'avoir. Mais tout juste avant, je vais vous dire les bros pourquoi j'ai choisi YouTube Premium et pas d'autres moyens pour télécharger des vidéos. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que tout simplement, il y a des moyens illégaux et des moyens légaux. Les moyens légaux, bien sûr, c'est payant, c'est avec YouTube Premium. Et les moyens illégaux, c'est par exemple des autres sites où tu pourras télécharger des vidéos. Mais comme je vous l'ai dit les bros, c'est illégal et YouTube risque de supprimer ma chaîne, mes vidéos, si je vous partage ça. D'ailleurs, ma chaîne YouTube a été supprimé, c'est pour faire voilà ce genre de vidéo. Mais ne t'inquiète pas, YouTube pour bien faire exactement ce que je vais te dire. Alors, je vais te montrer comment l'avoir gratuitement dans la fin de cette vidéo. Mais tout juste avant, on va voir qu'est-ce que YouTube Premium. Alors, YouTube Premium, c'est la même application YouTube, c'est YouTube, mais tu vas avoir plus de fonctionnalités. Premièrement, il n'y aura pas de publicité sur l'application. Normalement, quand tu regardes des vidéos YouTube, bien sûr, il y a des publicités qui passent. Et quand tu as YouTube Premium, il n'y aura plus de publicité. Et deuxièmement, téléchargement. Comme je vous l'ai dit, les bots, tu peux télécharger des vidéos YouTube si tu utilises YouTube Premium. Tu pourras regarder ces vidéos même si tu n'es pas connecté à Internet. Et troisièmement, YouTube Music Premium, tu pourras télécharger leurs applications et profiter de la musique sans interruption. Tu peux même lire des en arrière-plan. Dernier avantage, c'est lecture sans interruption. Tu peux regarder des vidéos sans publicité, utilisant d'autres applications ou avec l'écran éteint. Donc, c'est vraiment génial, YouTube Premium Libre. Alors, comment l'avoir gratuitement? Ce que tu dois faire, c'est uniquement cliquer sur « Essayer gratuitement ». Ok, alors il y a trois plans. Il y a un plan individuel, un plan famille, un plan étudiant. Ok, ça va de 7$ par mois à 12$ par mois. Alors si tu veux, tu vas cliquer sur n'importe quel plan puisque nous, on va l'avoir gratuitement. Donc ce que tu dois faire, c'est voilà, cliquer sur individuel ou n'importe, cliquer sur confirmer. Toi-même, tu vas choisir ce qui te correspond. Et ici, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tout simplement te connecter avec ton carte, avec ta carte bancaire ou tout simplement avec ta carte Visa. Alors, ce que vous devez savoir, les bros, c'est que tout simplement, même si vous vous êtes connecté avec votre carte bancaire ou avec votre carte de crédit ou de débit maintenant, vous ne serez pas débité automatiquement. Vous serez débité après un mois. Et si vous désactivez YouTube Premium avant ce délai, tu dois savoir que tu ne seras pas facturé si tu annules l'essai avant le 8 décembre 2022, donc avant un mois. Donc, tu pourras utiliser ça pendant un mois. Donc là, je vais ajouter ma carte de crédit. Et si tu habites en Haïti et que tu aimerais savoir comment avoir une carte de crédit, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram, dis-nous direct. Alors, je vais ajouter ma carte de crédit. Cliquez ici sur ajouter une carte de crédit ou de débit. On me demande le numéro de la carte. Bien sûr, je vais récupérer mes informations. Et on est en train d'ajouter ma carte à mon compte Google. Alors maintenant, je viens de mettre mes informations de paiement et maintenant, je vais te montrer comment télécharger la vidéo facilement et gratuitement. Pour faire ça, tu vas sélectionner la vidéo que tu veux télécharger. Par exemple, disons que c'est ma dernière vidéo. Tu vas trouver ici, pendant que tu regardes des vidéos, des petits onglets ici. Et tu vas trouver ici un truc qui s'appelle télécharger. Tu vas cliquer ici sur télécharger. Et ici, tu vas sélectionner la qualité de la vidéo, par exemple, si c'est 360 ou 720, la qualité que tu veux télécharger. Et ici, dans le petit onglet bleu, tu vas trouver télécharger, tu vas appuyer sur télécharger. Alors, je suis sur un autre compte, c'est pourquoi je ne peux pas télécharger maintenant. Mais si j'étais sur le compte, je vais uniquement appuyer sur télécharger. Et maintenant, pour trouver la vidéo télécharger, tu vas aller sur bibliothèque. Tu vas trouver ici un onglet qui s'appelle télécharger et tu vas trouver toutes les vidéos facilement. Alors, c'était Jinwood. Bye bye.